Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Roucoucou, j'espère que ça va. Donc moi pour ma part, je vais continuer ce que j'avais commencé. D'accord ? Je vous l'avais dit et je vais le tenir. Hop, on va tout simplement encore prendre des médocs parce que je vais tout simplement me faire, comme je vous expliquais, cette fameuse armoire à médicaments. L'armoire à médicaments. Donc qu'est-ce que je peux en faire de l'armoire à médicaments ? Oui, on va se faire aussi un bon comme ça. Je sais plus à quoi il sert, mais je veux le faire quand même parce que je me dis ça peut être vraiment joli. Je le fous ici. Voilà. J'ai ce qu'il faut. On va se faire un petit bon bien sympa. Vous croyez quoi? Je vous ai dit, on va se faire un petit camping bien sympatoche ici. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Là, c'est pareil. Maintenant, on va se faire aussi plus tard un peu la casserole. Les totems, les machins. Les pièges aussi. Donc ça va pas être inévitable justement. Là on va se faire aussi ce genre de truc. Il y en a des conneries quand même. Hein. Donc là j'ai quoi comme possibilité? Je regarde un petit peu parce que il peut y avoir des trucs vraiment cool. Et d'autres un peu moins bien. Donc le mur aussi, là on peut le faire. Là on peut faire un mur si on a envie. Bien évidemment. Faut bien savoir où tu veux le mettre. Donc elle. Et on peut se faire un petit mur comme ça, de pierre, uniquement. Ça nous permet de limiter le passage, par exemple, pour les indigènes. Et voilà, eux. Mais ils peuvent passer par là, ils sont pas cons. Hein. Il faut combien de pierres? 18, ok. Donc ça, on les prendra après. J'ai quoi comme possibilité ici? Donc là, après, on va se faire un petit peu un plus grand mur. Oui, c'est ça que je voulais faire, justement. C'est ce genre d'armoire à médicaments. Je pense que le mieux, c'est déjà de finir la maison. On va déjà faire la maison qui est là. Comme ça, je pense que je pourrais après mettre à l'intérieur l'armoire. Voilà. La tortue, elle sera contente. Donc là-bas, au cas où quelqu'un a envie de boire... Il aura de quoi faire ici. Comme par hasard, il n'y a pas de pluie, quoi. Bon, on sait jamais si on manque de Coca-Cola. Bah, voilà où je peux le trouver. Donc, on va mettre un peu plus des vitesses. Un peu plus des vitesses avec des feuilles, je crois. T'es pas un peu fatigué comme gars, toi, des fois? Ouais, parce qu'en fait, je vais mettre un peu plus de trucs avec les dents. Ah, j'ai mis plus de dommages. Ok. Voilà, on voit très bien que la barre, elle a bien avancé. En fait, pour pouvoir avoir les arbres, faut avoir un peu de vitesse ou de dommages. Je sais pas, c'est lequel qui compte le plus pour couper un arbre. On verra bien. Normalement, dès que tu mets des dommages, tu feras beaucoup moins, quoi. Bon, on verra, de toute façon. Donc là, je vais être vraiment embêté parce qu'il faudra vraiment qu'on coupe pendant un bon petit moment. Voilà, encore un petit peu. Le gâteau, il est épuisé, le pauvre garçon. Faut le laisser se reposer aussi. Dommage que tu gagnes pas de l'endurance après avec le bonhomme, ça aurait été bien. On va laisser un peu respirer. Rien ne nous empêche même de faire un bond en fait ici, plus tard pour pouvoir se régénérer plus facilement. Parce que la maison va être costaud à faire. Hein. Merde, j'ai déjà plus de jus. Alors là, si je suis attaqué, je morfle.
Donc après le chariot je le fais pas parce que pour l'instant il m'intéresse pas. Hop. Donc je fais rouler les trucs ici. Comme ça je les ai bien en évidence. Après on ira manger. Voilà, donc là après, je sais pas combien on va en avoir, mais je pense que pour la maison, on va en avoir au moins une quinzaine là. Ce qui est bien, c'est que ça... Oh là là, ce que j'ai coupé en fait ici finalement. Voilà, comme ça je perds pas trop de temps en fait à faire ça. Et si je suis vraiment attaqué, j'ai de quoi encore m'en sortir parce que j'ai encore des boissons énergisantes, etc. etc. quoi. Voilà. Voilà. Donc là, je vais prendre au plus loin pour mieux m'en rapprocher. Putain, mais j'en ai combien dans cette zone à couper? Je crois qu'il y avait aussi le mec qui avait coupé là, je crois. Donc là, c'est pareil. Ramassons les derniers troncs d'arbres. En fait, je crois qu'il m'en manque tellement là. J'ai même pas envie de regarder parce que. Je la vois la barre là, tout ce qui me manque, hein. C'est impressionnant. Après, on va finir par poser ses fesses un peu plus loin. Eh ben. Donc il en reste combien à votre avis? 2, 3, 4, 2. Merci pour ça, j'en aurais besoin. Voilà, cool. On a les derniers. Donc c'est bon, les derniers sont là. Donc maintenant la maison elle est quand même pas à côté. Et je ne vous le cache pas. Putain ouais j'en ai pas assez hein. Oh là là, ça il faudra couper pendant des mois et des mois. Je vais poser mes fesses sur le banc. En attendant. Ça me permettra de me régénérer rapidement, un peu de vie. Oh, c'est bien, je l'ai bien installé finalement le banc. Comme ça, je peux encore voir un petit peu ce qui se passe sur les deux côtés. Il n'est pas trop loin ni trop près. Donc là, il va se recharger légèrement sa santé. Au cas où je suis embêté, j'ai ce qu'il faut. Là, 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 là. C'est bon, t'es rechargé ou pas? Il a juste faim. En fait, je suis un gros con parce que j'aurais pu le faire nourrir. Parfait. Maintenant, on va faire un truc tout bête. Donc, c'est parti. Donc là, ça va nous prendre un peu de temps, mais ça va être vite fait. Sélection de toutes les viandes. Mets-les bien. Comme ça, plus j'en mets, mieux ça sera pour nous. Plus il y a de viande à sécher. Ah, je peux plus. Ça y est, je suis arrivé au maximum, je crois. Attends. Non, c'est bon. Ouais, parce que je me dis, ça peut pas être aussi rapide quoi. En fait, il les sélectionne trop mal les viandes. Non, ça y est. Là, t'arrives au maximum, je crois, Body. Alors, vite fait une dernière fois. Non, c'est pas vrai. Donc, parce que les petites viandes, c'est un peu de la merde. Non, ça y est, en fait, c'est une de chaque, je crois. Dernière. Encore un poisson, je pense qu'il y a de la place. Ouais, c'est que je les ai vraiment mal sélectionnés quoi. Les petits. Les petits, tout le monde s'en fout quoi. J'ai dit les petits. Non, les petits, on s'en fout. On reprend ça. Donc là, j'ai récupéré ce qu'il me fallait. Ce qui me manque maintenant, c'est un peu de la flotte, mais il y en a. Pourquoi j'ai préféré faire d'abord une petite maison ici? Parce que ici, ce serait vraiment la maison de repli pour les. Au cas où il apprend, ce sera vraiment un truc beaucoup plus grand parce que ça demande beaucoup plus de temps à la création. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'emballer à vouloir tout de suite faire des grands monuments parce que si vous prenez une fessée par des indigènes, ben vous avez perdu. C'est pour ça que j'aime bien, on va dire, un petit peu galérer de temps en temps à faire des petits trucs au début maintenant parce que j'ai toujours fait des gros palais quoi. Mais à plusieurs, c'est beaucoup plus facile, hein, je vous le dis, hein. Oh, je me suis presque envolé là. Après, je vais essayer de faire en fait un pont qui rejoint notre petit navire là-bas, quoi.
Ah, j'ai cru que c'était un indigène. Je fais putain, il est rapide celui-là. Il est blanc, il est rapide, hein. J'ai dit, je sais pas, il a des ailes ou quoi? Hop. Donc c'est parfait. Dommage que tu peux pas, après, le rendre un peu plus performant le personnage et transporter 3 en rendant de bois au lieu de 2. Donc ça va nous demander encore un peu de temps tout ça. Donc après, on arrive bien, mais t'aurais pu prendre le caddie, etc. Pousser le truc, ça aurait été 10 fois plus rapide. Oui. Je me connais avec les caddies. Pour ceux qui ont envie de regarder un peu mon épisode de la saison 2, épisode 4, je crois, vous allez pleurer de rire. J'ai pris un caddie, là, le truc pour pousser les troncs d'arbres, j'ai fini en dessous la carte. J'ai la poisse, moi, avec certains jeux, hein, dont celui-là, il en a fait partie. Il m'a pas épargné. Hein. Non, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, je vais juste voir un truc. Combien ça demande cette connerie, ça? Ah, bah ça, c'est foutu. Voilà. Ah, ok. C'est-à-dire, je pourrais pas le créer, celui-là. Merde. J'ai perdu 2 morceaux de bois, bêtement, parce que je pensais que tu pouvais le faire. Ah, c'est pas grave. Donc, cette tour-là, elle sert strictement à rien, en fait, finalement. Ah, ok. Moi, je vais essayer de désactiver la tour derrière. La tour derrière, on va la casser. Je sais pas si tu peux la casser. Si ça va, ils ont quand même fait l'effort de faire ça. Ah oui, parce que ça sert strictement à rien, parce que on va vite fait se faire avoir. Donc là, je devais vite fait finaliser ça. Ah, d'accord. Je suis trop fort, moi. Il y a quoi dedans? Les médocs. Là, il me reste encore 6 morceaux de bois, je crois. Ah, c'est relou à ramasser parce que. Merci. 87. T'imagines, toi? Ça, franchement, si vous êtes 8. Je sais pas ce que vous êtes capable de faire à 8. Hein. À 8, tu finis rapidement de faire le truc. Hein. Merde. Et les indigènes, tu rigoles après. Tu peux vraiment te foutre de leur gueule après avec les pièges, etc. Donc, on va reprendre les 2 derniers. Merde, pourquoi à chaque fois je m'envole, à chaque fois j'en prends un, quoi. Vas-y, vas-y. Aïe, 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 aïe. Donc je crois que les fondations vont être déjà mises en place. Ah, même pas, c'est lourd. Ok, donc là je vais tout simplement quand même me balader vite fait. Histoire. Non, pas complètement, mais vous allez voir, c'est que je vais changer un petit peu certaines choses. Voilà, donc déjà, on est là. Je vais me cacher parce que s'il y a un indigène qui arrive, il pourra me détecter que là, je suis à l'abri. J'ai vite fait me faire des potions. Non, c'était pas cela, body. Non, c'était pas cela non plus. Voilà. Ouais, je sais pas, je me fais des drôles de potions un peu partout. Il y a des trucs, je sais c'est quoi, et des trucs, je sais même pas c'est quoi, perso, je me souviens plus. Donc là, on peut se faire des cordes aussi avec ça. Vous voyez? Une corde supplémentaire. Après, avec la corde, vous pouvez vous faire ce que vous avez envie. Corde, merde, j'ai plus de bâton. J'ai plus de bâton. Donc je vais ramasser des petits bâtons. Eh, c'est un jeu qui consomme au niveau des ressources, hein. Les pierres, je vais en prendre quand même, on sait jamais. Donc là, il reste encore des bâtons par terre, body. Hop, hop, ça y est, je suis en train de les cracher. Donc les bâtons. C'était quoi que j'étais en train de faire à l'instant? Je sais même plus. Un indigène arrive. Non. C'est un oiseau encore. Bon, je finis vite fait de finir vite fait les nids pour les flèches. Plutôt de l'autre côté pour les pierres, etc. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, c'est bon. Donc là, il reste des pierres derrière.
Ça, les pierres, ce qui est bien, c'est que tu peux vite fait t'amuser avec. Donc là, j'aurais besoin juste de quelques petites conneries. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Il n'y a pas grand-chose. Là, j'aurais même des petites bêtises encore à faire. Ok. Par contre, un truc qui me fait bien marrer là en ce moment, c'est les oiseaux comme ça là. Tu peux vite les tuer. Mais dès que t'es motivé, quoi. Plus sérieusement, ramasse ça, ramasse ça, ramasse ça. Non, pas la petite pierre, la grosse. Quel sacré. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est en train de manger une pierre ou quoi? Regarde, il a une pierre dans les mains. Hey, moi je viens me défendre avec un katana, hein, pas une pierre. Hein. Il est fou! Il est fou! Qu'est-ce qu'il a fait le mec ici? Ah oui, il m'a fait un petit truc en fait pour repérer les indigènes. Elle a commencé à bien créer des trucs, mais finalement, comme un con, je l'ai abandonné le type. Parce que j'ai redémarré le PC et voilà ce que ça m'a fait. Bon, ok, je ramasse ça. Ça. Après, c'est bien aussi d'avoir les idées des autres comme ça aurait pu être vraiment cool parce que si c'est que moi qui fais que de construire, à chaque fois c'est jamais marrant parce que, ouais, ok, t'as peut-être des idées, mais peut-être que à plusieurs ça peut faire des trucs encore beaucoup plus intéressants, quoi. Donc là, je devais finaliser cette connerie. Donc il me manque une peau. Il va me manquer une peau. Mais laquelle? Laquelle peau? Attends, faut que je chasse une peau bien spéciale. C'est pas avec ça que tu vas la chasser, Body. Donc, on a encore des trucs, des médocs. Ah, par contre, des médocs, c'est pas ce qui va manquer dans le jeu. Non, 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 touche pas ça. Faut que je trouve les bleus après aussi. Là, bientôt il va faire nuit, donc attention. Oh là là, tous les trucs qu'il y a là. Oh là là. Changement d'arme parce que j'ai pas trop confiance dans cette zone. Tu fais quoi là? J'ai ramassé un truc là, bizarre. J'ai plutôt déblayé un truc. Tiens, 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 une casserole. Merde, je peux pas la prendre parce que j'en ai déjà pas mal. Des pierres aussi. Je suis en train de les chier derrière moi, donc ça sert à rien. Ça, c'est pareil. Au cas où je suis blessé, j'aurai de quoi me faire des plantes en fait pour me soigner. Quelle couleur ceux-là? Bleu, je peux les manger. Et que les noirs ou les blanches qu'il faut éviter de les bouffer. Les bleus, bien au contraire, faut les manger ceux-là. Déjà, je suis gros, j'arrive plus à avancer. Tiens, 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 je suis ici. Et pourtant, j'ai l'impression que je suis pas parti loin en fait hein, de mon avion tout à l'heure. Donc, le L, c'est le briquet body. J'ai l'impression que je suis pas parti loin en fait de mon avion tout à l'heure, je vous jure. Donc là c'est pas cela, c'est les deux maisons qu'il faut que je vise. On est d'accord, là j'ai vraiment ce qu'il faut au niveau des plantes. Hein. Je suis même pas sûr que tu peux en avoir autant. J'ai cru que c'était un indigène là, juste là là. Il est où l'autre là? Je l'entends, mais je sais pas où il est. Coupin, mon coupin, viens, mon pote. Ils sont deux ou pas? Ah, t'as peur du patron, hein? Tu sais toi-même c'est qui le patron de cette zone. On dit découpe-lui la tête, on en a besoin. Celui-là, je vais le manger tout cru. Si je sais faire, je sais aussi être cannibale aussi. T'inquiète pas. J'ai besoin d'une tête. Je sais plus ce que j'ai besoin en fait, d'une tête, des jambes. Il est quand même hardcore comme jeu. Donc là j'en ai un peu trop.
Il est où le totem là? C'est qu'une seule tête qui me manque. Ok. C'est une seule tête. Mais c'est pas pour autant que je vais pas en faire un deuxième. Donc on va leur faire un truc vraiment pas sympa, Touch Body. Je crois que c'est vers là, là. Merde, je sais même plus c'est où le truc. Voilà, c'est là. Donc j'ai quelques bras, quelques jambes qui traînent. Ah mais c'est le même que t'es en train de faire, tête de neuf. Hein. Donc l'autre, ouais, ça sert parce que les autres sont un peu plus moches. Donc celui-là, c'est le pire. Hein. Tu peux tout décorer avec celui-là. Donc c'est juste une tête qui nous manquera. Oh, ça va se trouver, ça. Donc il y a combien? Il y a deux têtes qui vont arriver, là. Parce que je suis bien au niveau de ma santé, ouais. Attention, parce que lui, c'est le patron. Et tu me laisses le temps de finir ton patron. Tu vois? Pourquoi? Faut se reposer. Et boire un petit Coca-Cola. Il est encore vivant. Et maintenant ils vont attaquer de plus en plus. Parce qu'ils savent où je suis. Et je vais pas être à l'abri de quoi que ce soit maintenant. C'est pas grave. Hein. Faut pas trop avoir peur d'eux. Hein. Que je suis bien. Putain, ils sont deux. C'est con, quoi. J'ai trop mal tapé. Parce que j'étais trop concentré sur des conneries. Hop là, allez, viens, mon petit. Je suis prêt au combat maintenant. Tu sais ce qu'on va faire? On va se faire beaucoup de totems là parce que. Bah voilà. Je crois que tu les attires en faisant ça. Je suis pas certain. J'ai l'impression que tu les attires en fait. Je sais pas. On va prendre le plus compliqué. Le plus compliqué, on va le mettre vers là. Bon, à moi de découper maintenant ces petits cons parce qu'il y en a pas mal quand même par terre là. Donc, désolé, mais j'ai besoin de toi pour mon expérience. Et ça, tu sais taper tout droit ou tu sais pas taper tout droit toi? Vous savez comment ils sont de plus en plus nerveux? Une jambe. Non, la deuxième, tu l'as pas découpée. Donc la deuxième jambe, la tête maintenant. Ah mais il bug ou quoi le jeu, putain? Tu sais quoi, je vais lui donner à manger parce que là il commence à monter fou là. Déjà il est mourant quoi. Mais vas-y, donne-moi à manger. Non, faut se baisser maintenant, putain mais. Dès qu'il décide des fois de te faire chier, il te fait bien chier le jeu. Merci, donc recharge-toi, allez, vas-y. Ah, comme ça les totems on en a plein. Et peut-être ça va les repousser, je suis pas certain en fait. Hein. J'ai mal au cou, je te jure. Donc là, il y en a un qui brûle. Tu les attires. Au contraire, tu les attires avec ça. Là, on voit très bien. Oh le con, je les ai attirés. Je suis en train de les attirer en fait. Donc je vais en avoir énormément des indigènes. Ouh la merde, parce que dès que t'allumes, je pense que tu les attires. Oh c'est pas grave comme ça. Ça va nous en faire davantage des mecs à neutraliser. Elle est belle ta jupe. Voilà. Parce qu'il y avait leur patron. Je pense qu'il va arriver avec des renforts. Je te jure. Voilà, donc là, il reste le dernier bras. Donc, à mon avis, dès que je vais allumer celui-là, on va avoir beaucoup d'ennuis. Tu vois, regarde. Ça, ils arrivent. Et tout à l'heure, ils n'arrivaient pas autant.
là c'est bon. Je vais me soigner un peu. Donc là, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc là, je vais le découper aussi, celui-là. Donc eux. Encore la même chose, bien évidemment. Donc là, je crois que j'ai déjà suffisamment de jambes. Ils arrivent encore. Non, mais sérieux, c'est une blague le truc. Je crois que j'en ai un peu trop mis. Et du coup, là, je commence à regretter ce choix-là. La tête, je vais juste la tête. Merci. Donc là, à mon avis, est-ce que j'ai assez? Il faut beaucoup plus de tête et de bois et de... Ah oui, de mains. Il a besoin de mains. Pourquoi dès que je mets des mains, ça marche pas? Non, la jambe, il s'en fout. Il n'en veut pas de ta jambe, body. Ouais, t'attires, regarde, tu les vois, je suis en train de les attirer comme un porc, en fait. Hein. Là, il me faut des petites branches pour pouvoir avoir le totem très rapidement terminé. Il me manque quoi encore des jambes. Attends, donc là-bas, il y a un mec qui est mort tout à l'heure. Encore une main. La tête, malheureusement, me sert à rien. On va lui prendre sa tête. On va encore prendre vite fait quelques mains parce que... Putain, mais arrête de me faire sursauter avec tes cris, toi. Ah, lui, c'est un gros cochon quand il me fait sursauter. Non, j'ai plus déjà assez. Donc là, on a ça. Je reprends ce genre de conneries. Encore des petits... des têtes, des têtes, des têtes. Il a plus de tête. En fait, je pense que dès que t'allumes, tu les provoques. Je suis pas sûr. Par contre, qu'est-ce qu'il a la dalle dès qu'il se bagarre? Donc là, il me manque encore 5 têtes et un bras. 5 indigènes à exploser, donc j'avais vu une tête quelque part, tiens, 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 tiens. Et un bras. Parfait. Voilà. Donc là, il manquera 5 têtes. Il y en a qui vont dire, mais tu vas faire quoi après? Bah, vu qu'il faut 5 têtes, il faut 5 machins, on va encore en mettre. On va pimenter l'expérience quand même. Donc là, il me manque des bras. Des bras, je sais qu'il lui en reste un bras. Ah, les mouches. Un bras body. Lui, il lui reste un bras. Donc déjà, ça va combler complètement le trou. Je crois que c'est 4 bras qu'il a besoin, lui. Ah non, c'est 7. C'est pas grave, parce que tous les restes, en fait, il n'y a rien qui est gaspillé chez moi. Déjà, mais t'es un ouf. Ah oui, il faut de temps en temps être fou. On va allumer rapidement aussi ici. Mettre des feuilles. Donc ça se consume. Donc j'en ai repéré quelques-uns un peu plus loin, mais avant ça, il faut que j'aille manger parce que je vais pas pouvoir tenir longtemps. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. T'es dans mon campement, toi, maintenant. Oh, le petit... Ah ouais, carrément, deux. C'est un patron, lui, en plus. Ah merde, tu m'as surpris là. Hey, ta gueule. Faut se méfier parce que à chaque fois j'ai peur qu'il se relève, il va se relever. Donc dès que tu vois le truc tomber par terre, c'est là que tu vois que t'es bien. Je vais manger parce que ils vont me tuer sinon. Donc il faut que je saute pour pouvoir déguster mon plat. Je cherche pas, c'est particulier. Il nous manquait encore des têtes. Bah voilà. Une tête supplémentaire. Il me manquait des bras et des jambes. Donc après, il faudra que je fortifie ce coup parce que s'il commence à arriver comme ça, on va être vite fait dans la merde. Bien évidemment, je peux pas transporter plus de bras. Hop, 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 hop. Donc ici. Il commence à devenir curieux, vous avez vu? Tiens, 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 encore un autre. Oh, deux autres. Je crois que je me suis vite fait niquer moi-même. Oh, trois autres. Oh, putain, ça... Non, mais vraiment, je suis en train de les provoquer, finalement. J'avais raison. Je les provoque.
Merde. Aïe aïe. Il y en a un quelque part d'autre, putain les amis. Je l'ai pas vu celui-là. Coucou. Ah, il est là. Il va, faut que je trouve le petit malin après. Donc 3. C'est bien. Allez, continue à découper des têtes. Tu vas être vite fait dans la merde à la fin. Comment niquer un let's play? Appelle Woody, il va te mettre plus en plus d'indigènes. Non mais sérieux, là je les provoque vraiment parce que tu les attires avec ça. Et tu les énerves, je pense. Je préfère monter le niveau dans le jeu. Oh, c'est pas grave, on est là aussi pour se faire exploser. Hein. Au pire des cas, si ça devient trop hostile, on changera de camp. À moins qu'ils savent après que t'es dans le jeu, que ta présence peut poser des problèmes. Je sais pas, on verra. On verra bien, parce que pour l'instant, on est en phase d'expérimentation. Donc là, j'en ai tué un, on s'en fout du corps. Donc là, j'en ai explosé quelques-uns. Tiens, je vais prendre ta tête, s'il te plaît. Ça aussi. Ta tête a été découpée. Toi, t'as perdu ta tête, mais pas tes cheveux. Ta main, j'en ai besoin. Voilà, donc là j'ai besoin de récupérer une petite pierre. Ta tête, oh tu te fais chier dessus. Voilà, on va récupérer la tête. On peut pas en avoir deux. Si, si. Non, j'étais sûr. Alors franchement, vous en pensez quoi? Le niveau d'alerte, il va être de plus en plus tendu, je crois. Hop, hop. Donc là, le gros, on va l'allumer à mon avis. Ça va être la merde chez la merde. Allez, soyons fous. On en met deux. Ah, il a disparu après celui-là. Ah oui! Ça reste provisoire. Ah oui, après tu fais des os avec. D'accord. On va prendre le dernier. Le dernier, à mon avis, là, dès que je vais ramasser la tête, je pense que là, le niveau, il va être tellement impressionnant que je préfère même pas sortir de ma grotte. La dernière tête. J'ai dit la dernière tête. Et bizarrement, comme par hasard, il était à 2 secondes ici, il n'y est plus. Non mais t'es sérieux, il s'est fait voler la tête en moins de 2 secondes quoi. On a dû rouler quelque part que j'ai pas prêté attention. Ah bon, ça t'apprendra à découper tout et n'importe quoi toi aussi. C'est vrai, t'as pas tort. Donc là il nous reste un tout petit truc, donc là ils vont arriver encore. Hein. Ce qui est bien c'est qu'en journée j'aime bien parce que tu les vois très bien arriver. Merde, il manque une seule tête, quoi. Oh, la poisse. Putain, j'en avais en plus une des têtes. Oh, les escrocs. Oh là là, c'est pas sympa ce qu'ils m'ont fait, là. Non. Oh, les ordures, attends. Elle doit traîner quelque part, c'est obligé. Non, ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas sa tête. Les médicaments. Pff, même pas besoin. Putain, mais moi, ce qui me manque, c'est l'iguane, en fait. Pour pouvoir être un peu plus tranquille. Non, finalement, ils viennent pas la journée. Ils sont moins curieux, quoi. Tu disais, Body? Il disait, non, ils sont moins curieux, hein. Ils sont moins curieux. Regarde, il est curieux, lui. Il est curieux, lui. Oh, le gogol, comment je me bagarre mal, là. Oh, ils sont jolis, les dents. Oh, j'adore tes dents. Attends. Attends, on va rigoler avec celui-là. Êtes-vous prêts? Êtes-vous vraiment prêts? Donc là, j'ai déjà un totem allumé. Un deuxième, et on l'allume celui-là. C'est parti pour la bagarre. Je vais me cacher un peu avant. Comment ça tu vas te cacher? Je vais sauvegarder parce que j'ai quand même bien avancé dans le jeu. J'ai pas, je me fais exploser ma sauvegarde. Bon, après, tu me diras que ce sera tendu de la même manière. Sauvegarder, on va le mettre dans le socle 5. Bah oui, faut pas mélanger les socles. Body, c'est un provocateur. Je le mets ici, je vais vite fait. Ah, ils arrivent.
C'est parti. Qu'est-ce que tu peux faire, Ganos? Avec Ganos, tu peux faire quoi? Tu peux faire un vrai truc avec ça. Un vrai truc. Bon, ils vont venir dans pas longtemps, vous allez rigoler. J'ai brûlé toute la famille, toute la tribu. Bon, venez là, les petits malins. De toute façon, je dis ça, mais dès qu'ils vont arriver à 15, je vais faire... Oh putain. T'inquiète pas qu'ils vont me lancer des raids après. Hein. Bon. Je crois que c'est 5. Les petits bâtons. Non. Petite corde. Ah, ouais, y en a une en trop. Ça fait quoi ça? Tu te fais quoi, une armure avec ça? Arrête, j'ai découvert comment faire une armure. Hein? Une armure en os? Ouh, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai découvert comment faire une armure en os. Trop bien. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils veulent que tu boules absolument les os en fait. Des indigènes, après tu te fais une armure avec. Bien, tiens, ils arrivent là. 3, 4. Je me suis mis tout seul dans la merde. Il n'y en a pas d'autres là derrière? 4, 5, 6. Ouais, demain les cousins. Ah, ils arrivent, hein. Ils sont fâchés là. 4, ça va être plus dur à combattre, 4. Surtout le black là-bas, là, il a l'air plus chaud. S'il me contourne pas par derrière, ça va, je vais m'en sortir. C'est pour ça que je vais essayer de les combattre à... sur le rocher. Pour l'instant, ils sont 4. Venez! En fait, l'armure en fait en os, je sais pas ce que ça peut donner. Je suis curieux de savoir. Comme ça, je vais essayer de les tuer tous les 4 et après, je vais les faire fondre. Plutôt les brûler, les incinérer si vous voulez. Fais gaffe parce que là, il va commencer à attaquer. Ah, t'as des disques durs, toi. T'as des CD, toi. Alors, lui, faut pas qu'il me touche parce qu'il a l'air beaucoup plus dur. C'est le chaman, quoi, du... Body, crame-le, celui-là, parce que ce petit con, il va nous tuer. Ça fait déjà 2. 2 KO. Ah, ils peuvent monter. Donc, il y en a 2 en bas. À poil, comme d'habitude. Donc, d'accord, je vais me faire l'armure avec des os. Bien. Donc, les 2, ils sont là. Mais venez. Tu crois que je vais monter? Je vous regroupe tous ici. Oh, t'as un... Attends. Coucou. Non, ton body. Ça, c'est leur patron. On va se remettre sur le rocher. Parce que là, c'est bon, ils sont bien placés. Vas-y, viens. Viens. Tapette. Tapette. Victime. T'es le chef ou t'es pas le chef? Pff. Montre tes coronnes. Viens, viens, viens. Bon, c'est bien. 4 mecs. Ok. Donc, body, je vais encore continuer à brûler les corps parce que j'ai l'impression que je peux avoir une purée d'ar... une belle armure. Je dis ça comme ça, mais ça peut être peut-être intéressant. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc, ici, je vais refaire la même. Comme ça, je m'en fous des niveaux de difficulté parce que. Et je me dirais que peut-être qu'on pourra tous les combattre. Très facilement. J'ai voulu les regrouper parce que comme ça, ça m'évite de chercher les corps pendant 2 heures. Et vous avez vu? Donc là, ils viennent plus tout seuls. Ils viennent vraiment à plusieurs. Faut bien que je surveille ma santé parce que... Ça, je vais la jouer beaucoup en repli parce que c'est impossible de les combattre à 4. Si, c'est possible, mais c'est très chiant parce qu'il y en a un qui vous contourne en arrière. Vous êtes blessé comme tout à l'heure, j'ai pu faire. Putain, mais j'arrive pas à ramasser sa jambe ou quoi? L'autre totem, il est là. Comme d'habitude, il manque toujours des tout petites bricoles de merde. Des petites pierres, des conneries en fait qu'on a. On a tout ce qu'il faut, mais c'est les pierres qui nous manquent limite quoi. Donc une tête supplémentaire. Donc là, on va tout simplement couper un petit peu leur. Elle est belle ta jambe.
et une dernière tête, et après on va les attirer. La grande tête. Vous voyez, je vous avais dit que le katana elle est très très intéressant. Sans ça, franchement, ça serait vraiment chiant parce que j'aurais pas pu les tuer avec les armes traditionnelles. Là, il manque une pierre et et une main, quoi. Maintenant, faut trouver une pierre, les amis. Une pierre. Coucou la pierre. Donc c'est bon. J'ai la pierre. On va l'allumer. Là-bas, j'espère que c'est en train de... Non, c'est encore en train de s'amuser. Donc là, j'ai trois petites difficultés qui brûlent. Donc là, ça va mettre du temps. Ça aussi. Ok, ok, ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Il me reste quoi, en fait, sur eux? Par curiosité, je vais observer. Il me reste encore une tête. Je vais la prendre tout de suite. Hein, ça va être fait. Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus fort, ce mec-là, on aurait dit. Donc là, il manque une main. On va lui prendre vite fait ses jambes. Je crois que j'ai déjà les jambes. B. Qu'est-ce que je peux faire en fait d'intéressant? Body, body, body. Donc eux, je peux encore mettre des mains, des jambes. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur connerie de mains, de jambes. On va savoir en fait. Ça, ça reste des mains. Donc il y en a 7 à récupérer. Ça, c'est illimité, t'as l'impression. Ça, je vais le mettre là. Putain, encore une pierre de merde. Oh là là, c'est juste la pierre qui manque, quoi. Pourquoi il disait qu'ici tu peux faire des trucs plus intéressants? J'en ai vite fait. Il me manque quoi là? Je sais plus exactement. Ils vont venir pendant la nuit, tu vas voir. Donc là, je regarde encore. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais j'espère que l'armure avec les os, elle est beaucoup plus performante. Parce que celle-là, tu te fais vraiment chier pour l'avoir. Hein. Merci pour la bouffe. À mon avis, il faut en brûler des trucs. Je crois qu'il en faut en brûler en moins 10. Hein, pour en arriver là et attendre vraiment sérieusement qu'ils viennent tous te péter la gueule en attendant. Ah, est-ce que tu brûles leurs congénères? Tu brûles leurs congénères, après tu t'étonnes pourquoi ils veulent te casser la gueule. Ah, magnifique. Il en faut des os pour en flinguer en plus des personnes. Attends, je vais m'abriter comme ça, s'ils viennent, j'ai le temps de les voir. Ça y est, on a un maximum. Attends. Ah ouais, ça a l'air vraiment plus costaud. Il va m'en manquer un, hein, je pense. Ouais, tu vois, il en faut beaucoup plus d'os. En tout cas, regarde, elle est beaucoup mieux. On a une meilleure résistance, ça se voit tout de suite. Que c'est mieux que la peau de lézard là qu'on avait. Je préfère. Mais c'est un peu plus délicat comme défi. Hein. Je savais pas que c'était possible. Je savais pas que c'était possible. Je sais pas si ça fait longtemps que ça existait, mais... À l'époque, je l'avais pas vu ce truc-là. Bien évidemment, on n'avait peut-être pas l'utilité de brûler ça. Et en plus, ça donnait pas des os. Je fais quoi avec ça, moi? D'accord, tu reconstruis par-dessus. Moi, j'attends que le gros, là, il fonde. Parce que celui-là, il va être intéressant. Parce que on va en récupérer des ressources. Je vous le dis. Donc, il n'y a plus d'indigène, là, qui vient. C'est plutôt... pas sympatoche là, faut qu'il vienne un peu plus. Donc là j'ai encore mon truc basique. Ah mais ça fait plaisir d'avoir l'os et le katana. Tiens, je vais voir s'il n'y en a pas d'autres là. Ok, regardons vite fait un truc. Celui-là je l'avais mis là. Bon, tu t'arrêtes quand toi? Donc là je pense qu'on va en récupérer peut-être une vingtaine d'os. Hein. J'exagère parce qu'il y en a quand même plus. À moins que c'est juste... On verra, de toute façon j'arrête de parler parce que ça sert à parler tant qu'on n'a pas encore vu. Donc là il y a des petites pierres à ramasser en attendant. C'est bon, je suis au maximum. Celui-là, il est tout récent.
Je vais me mettre un peu à l'abri en attendant de confectionner certaines conneries. Non, Buddy, tu peux pas le faire avec ça. Non, c'est un seul. Avec quoi? Non. Tu rêves ou quoi? Tiens, en plus, je vais découvrir un truc tout con. Non. 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 Avec quoi on peut le mettre ce truc-là? Non. C'est tout, moi, je m'en fous. Hein. Non. C'est pas évident de savoir avec quoi tu le maries. Hein. Non plus. Vas-y, il est fatigué, il nous met n'importe quoi juste pour faire ça. Non. Mais ils disent pas qu'est-ce que tu fais avec ça. Un pinceau, bah pour moi c'est que tu fous ça. C'est un chiffon dont tu l'as déjà mis, ça m'a pas marché, une dynamite. Bref, on va se faire attaquer à mon avis dans pas longtemps à force de faire le con comme ça. Faut pas rester trop statique. Donc là-bas les oeufs ils brûlent encore. Oh là là, on est mal barré. Donc le gros là, le grand truc, ça va prendre un peu de temps je pense. Après en fait pour faire les médicaments il y a un autre truc à faire, donc je sais plus exactement c'est quoi. Je vais juste boire rapidement. Déjà l'alcool, on sait très bien comment faire le cocktail, mais ça nous sert plus beaucoup. Plus rien même. Avec quoi? Non, Buddy, c'est pas avec ça. Avec ça, on a déjà dit. Et avec ça. Ça, maintenant, tu mets ça avec. Avec une corde. Avec ça, non. Avec un lapin, t'imagines? Je crois qu'ils arrivent. J'ai entendu un cri. Maintenant, j'attends que eux, limite, qui viennent, quoi. Donc là, on va pas s'embêter parce que j'ai pas l'impression qu'on va les voir. Non, on les verra pas. Tu disais? Tout dépend combien ils sont. Elle est tout seule pour l'instant. Elle est pas tout seule. Elle est tout seule. Elle a pas d'amis, elle. Ouais, t'as pas d'amis, toi, hein. Découpe-la avant que les autres ils arrivent, Bobby. Ah, parce que si les autres ils arrivent, moi je suis mal barré. Hein. Encore un petit effort, faut attendre. Non. Je la laisse comme ça pour l'instant. Donc, ça, j'attends que ça fond pour avoir des os. Et ça aussi. Et après, peut-être que l'armure va être beaucoup plus intéressante que maintenant, quoi. Hop, 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 hop. Ouais, donc moi les amis, je vous dis à tout à l'heure. Donc on va essayer tout simplement de se rejoindre, de se retrouver plutôt pour le prochain épisode. Parce que là, je trouve que les épisodes, je les fais un peu trop longs, quoi. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc je vais sauvegarder même ici. Voilà, comme ça, on perd rien. Et on sait maintenant qu'est-ce qui nous attend. Parce que avant, on savait pas qu'on pouvait faire une armure. Et après, on continuera un petit peu la création, la construction tranquillement, petit à petit. Pour l'instant, on s'amuse un petit peu avec les indigènes. Donc je vous dis à tout à l'heure. Prenez soin de vous et à bientôt.